rien. Je vais chercher quelque chose à manger. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Est-ce que ça va? Vous vous sentez bien? Oui, merci. Je suis juste un peu essoufflée. Voulez-vous vous asseoir? D'accord. À moins que vous soyez attendu quelque part. Non, non, pas du tout. Non, non. Asseyez-vous. Un café? Pourquoi pas? Mademoiselle. Un café, s'il vous plaît. Vous chantez mieux? Ah, oui, merci. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas attendu quelque part? Je ne voudrais pas vous retarder. Non, 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 non. Ma femme est prévenue que je suis ici. Vous étiez musicien? Ah, je le suis toujours. Pianiste. Et d'ailleurs, dans quelques jours, ma femme et moi, nous allons jouer cette partition en concert pour la première fois. Votre femme aussi est musicienne? Ah, c'est une grande violoniste. Vous vous êtes rencontrés comment? Grâce à la musique. Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais cantonné en Italie. Et lors d'une réception... Excusez-moi, madame, je reviens tout de suite. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que je peux vous aider? Vous m'observez, là, depuis un bon moment. Ils vous cherchent, Henri. Faut pas vous laisser faire. De quoi parlez-vous? Qui me cherche? Et d'abord, comment connaissez-vous mon nom? Votre femme est en danger. Maria? 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 Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Où est Maria? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Je vous dis de me lâcher! Ah, non, 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 non! Ah non, laissez-moi, c'est de l'agression! Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Henri. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Je ne me sens pas bien. Ils m'ont dit que ça devrait vous passer. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Ça va aller. Maria, qu'est-ce que vous avez fait de ma femme? Où est ma Maria? Calme. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non, laissez-moi sortir d'ici. Maria! Maria! Laissez-moi sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de lui donner une dose aussi forte? Thank you.
signora. Mi chiamo Henri. Vous êtes exceptionnel. Grazie mille. Signora, signore, la fotografia. Et si je puis ajouter, vous, vous êtes d'une grande beauté. Grazie. Tu fais ici? Faut pas que tu te laisses faire, Henri. Faut que tu te battes. Pense à Maria. Pense à Nathalie. Nathalie? Oh! Nathalie, oui. Tellement bien. Elle est prête pour le concert de ce soir. Le papa est fier de sa fille. Oh, oui, oui, oui. Tu le lui diras. J'ai tellement rêvé de jouer Cavalleria Rusticana. Quand j'étais petite, une fois par semaine, je l'écoutais avec papa. Il m'emmenait au salon. On parlait pas. On faisait juste écouter. Et si on la jouait en duo avant de devenir trop vieux? T'es sérieux? Oui. On n'a jamais joué ensemble en concert. D'accord. Voilà notre soliste. Henri! Henri! Ça va? Faites-vous en pas. Ils sont partis. Aimez-vous la musique, madame? Oui, beaucoup. Ma fille aussi. C'est une grande pianiste. Elle a joué récemment là, dans un grand concert. Oh, si vous aviez entendu ça, c'était tellement beau. J'en avais peut-être entendu parler, c'était dans tous les journaux. Oui, mais ça fait longtemps de ça. Non, pas du tout, c'était il y a quelques jours seulement. Vous voulez me mélanger? Vous voulez m'empêcher de retrouver ma femme? Il faut que je retourne chez moi. Calmez-vous, venez vous asseoir dans votre chaise. Lâchez-moi, ne me parlez pas comme un enfant de 4 ans. Maria!
Où es-tu, Maria? Maria! Ma femme est en danger, je le sais, et vous allez me laisser sortir d'ici immédiatement. S'il vous plaît, arrêtez. Elle est peut-être cachée quelque part dans la maison. Il faut que j'y retourne. Arrêtez! Vous en avez plus de maison, c'est ici, chez vous, maintenant. Ça fait un an que Maria est morte. Maria! Maria? Maria! Maria! C'est qui? C'est Maria et toi. C'est notre duo. Il y a un an. C'est le dernier souvenir qu'on a d'elle. Maria est décédée le lendemain. Je ne peux pas être en train d'oublier tous mes souvenirs. Maria, Nathalie, ce sont toutes ma vie. Qu'est-ce qui va me rester si elles ne sont plus là? Henri. Nathalie, ma petite chérie. Oh, papa, ça va? Oui. Ton saut lourd était parfait. C'était tellement beau. J'ai
fier de toi. Tu t'en souviens? Mmh. Oui. Oh, c'est maman et toi. Est-ce que tu te souviens d'elle? Te souviens-tu du moment où vous vous êtes rencontrés? Est-ce que nous nous connaissons, madame? Quelque chose m'a dit que oui. Oh, non, papa, papa. Oui, on se connaît. Je suis ta fille, Nathalie. Reste avec moi, papa. Reste avec moi encore un peu. Est-ce que j'ai été un homme bon? Le savez-vous, madame? J'espère que j'ai été un homme bon. Oui, papa. Le meilleur qui soit. On va aller se promener un peu. Mmh.